Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence en ce week-end pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. L'évaluation des différents services étatiques de sa province et l'exercice que s'est donné Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de l'Ituri, en réunissant les différents chefs de service pour la bonne marche de la province de l'Ituri. Bodi Poti Tolo, bédéiste congolais résident au Canada, finaliste du prix Bernard Grand Maître, et Doudou Malekani, vice-président de l'Amicale Foura, club de football loisirs, sont les deux invités de notre journal. C'est confirmé, Modeste Mahati Lukwebo est le candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidente du Sénat. L'intéressé l'a confirmé à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau d'âge du Sénat, dont Modeste Mahati a été associé. Faisant la restitution de cette longue séance de travail, le président du bureau d'âge du Sénat, Mamboléo, complété par le rapporteur Rigan Bakunga, a fait part au chef de l'État de la situation jugée catastrophique trouvée au Sénat. Après leur désignation, la banque Equity BCDC réclame à la question du bureau d'âge un découvert bancaire de 5 millions de dollars américains, alors que dans le même temps, les hôpitaux conventionnés menacent d'arrêter la prise en charge médicale des sénateurs pour raison d'insolvabilité de plusieurs mois, a déclaré à la presse présidentielle M. Rigan Bakunga, qui a ajouté que la liste n'est pas exhaustive. À plusieurs autres questions, dont les calendriers d'élection au bureau définitif du Sénat et la suite à donner à la motion contre le premier vice-président Sami Badibanga, ont été évoquées. À toutes ces questions, des options claires ont été levées et seront rendues publiques dans les jours qui suivent, a dit le rapporteur du bureau d'âge de la Chambre haute. En Ituri, les gouverneurs des provinces et les chefs des différents services para-étatiques ont évalué jeudi 18 février 2021 dans la soirée les résultats de ces services sur 2 ans de son mandat. Jean Bamanissa les a tous invités à travailler en synergie selon les textes et dans la nouvelle vision du chef de l'État. Reportage notre correspondant dans la zone, Tony Zolamesso. Ils ont tous répondu présents à l'appel lancé par le gouverneur des provinces. Eux, ce sont les chefs des services para-étatiques mis à la disposition de la province de l'Ituri. Il est question pour l'autorité provinciale de rappeler à l'ordre de ses animateurs des établissements publics de l'État, discuter du fonctionnement et évaluer les résultats sur les 2 ans. Dans sa communication, le gouverneur des provinces, Jean Bamanissa Saïdi, a exhorté ses directeurs, chefs des services, à travailler en synergie suivant la nouvelle vision du chef de l'État. Il a condamné les manques de collaboration de certains établissements avec le gouvernement provincial avant de les inviter à maximiser davantage les recettes au profit de l'État congolais et de la province. Nous avons besoin d'avoir des statistiques, nous avons besoin de nous rassurer que le fonctionnement de la DGDA, le fonctionnement de la DGI, le fonctionnement de la DGRAT est conforme. Et avoir des statistiques aussi sur le type de marchandises, le type de commerce qui se font pour élaborer nos plans de développement et nos plans économiques et nos plans financiers. Donc un cadre doit être mis ensemble. Nous avons parlé avec l'Office des routes, avec l'OVD, qui doivent être au service du gouvernement provincial. De leur côté, les chefs des services para-étatiques ont salué l'initiative de l'autorité provinciale, mais sollicitent son accompagnement pour les résultats attendus. L'Ituri est une jeune province. J'ai aimé la rencontre avec le gouverneur. Pour moi, c'est vraiment une première fois. Je suis vraiment satisfait par rapport à cette rencontre. Cette rencontre nous a permis de comprendre la vision
du gouverneur de province et de comprendre aussi ce qu'il attend de nous pour réaliser cette vision-là. La province de l'Ituri a tous les services, mais n'en profite pas. D'où la nécessité de ces coups de poing sur les dos pour que désormais ces services fonctionnent selon les textes et contribuent au développement du pays et de la province. Retournons une fois de plus à Ituri, à Bounia plus précisément. La journée mondiale de la langue maternelle a été célébrée le 19 février sous le signe de la paix et l'unité entre les communautés. Invité pour la circonstance, le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi pense que l'éducation par la langue maternelle doit faire le point entre différentes communautés de l'Ituri pour consolider l'unité des Ituriens. Une fois de plus, nous faisons appel à notre correspondant dans la zone, Tony Nzolameso. Célébré sous le thème « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société », la Journée internationale de la langue maternelle a été ouverte ce vendredi 19 février à Bounia par le gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi. Présent à ce grand événement, professeurs d'université, étudiants, quelques partenaires internationaux et les différentes communautés de l'Ituri. Dans ce monde des circonstances, le professeur Pirote Atido George, lui-même recteur de l'université Shalom, révèle que l'accès à la parole de Dieu dans les langues maternelles est une base d'un développement durable pour les communautés évangélisées. Pour tout développement durable, les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leur propre langue maternelle et dans d'autres langues. C'est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que les compétences de base en lecture, écriture et calcul peuvent être mieux acquises. Pour le gouverneur des provinces, Jean Bamanissa Saïdi, qui prône l'unité et la paix entre toutes les communautés, l'éducation par la langue maternelle doit servir de pont entre les communautés pour la consolidation de l'unité. Nous avons plus de 21 communautés en Ituri, mais les mots sont parfois les mêmes, les cultures sont les mêmes. Que cela puisse raffermir, consolider l'unité, la paix entre filles et fils de l'Ituri. À noter que la Journée internationale de la langue maternelle a été décrétée par l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. Des retours à Kinshasa, grogne des fonctionnaires du Centre de développement intégré, CDI en sigle. Ce vendredi 19 février, les agents des ANCDI sont montés au créneau pour revendiquer certains droits, dénoncer la mégestion de leur coordonnateur et solliciter une solution auprès de leur autorité de tutelle, les ministres de développement rural. Reportage Africa Mujinga et Célébayabo. Ils sont montés au créneau, les agents et cadres de l'Agence nationale de coordination et d'implantation des centres de développement intégré, ANCDI en sigle, ce vendredi 19 février 2021. Ces fonctionnaires de l'État ont manifesté leur indignation suite à ce qu'ils appellent le comportement malsain de M. Liakilia Ndongo Robert, chargé des missions de l'ANCDI, qui entraverait le bon fonctionnement de leur établissement avec une mégestion sans précédent. Ils l'ont signifié à travers un mémorandum qu'ils ont déposé au Palais de la Nation chez le président de la République à la primature et chez le ministre du Développement Rural sortant. Nous avons écrit en ce messier au départ que nous allons ensemble, avec la vision du chef de l'État qui veut développer les collectivités de base, nous avons écrit en lui qu'il va entrer dans cette même vision. Mais on a compris qu'en lieu et place de ce travail noble de développer nos communautés de base, M. Liaki est là pour faire des engagements au moment où nous savons qu'il y a une mesure conservatoire interdisant les nominations ainsi que tous les autres mouvements de personnel. Mais M. Liaki est en train de faire des engagements et il s'est dit qu'il est mobutiste et il a des comptes à rendre en personne. C'est pour cela que tous les personnels se sont levés pour dénoncer cette situation qui, en fait, selon nous, combat la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut développer les collectivités de base. Pour rappel, ANCDI
a pour objectif global d'accompagner les populations rurales et périurbaines dans leur activité génératrice des revenus pour leur auto-prise en charge, dans la lutte contre la pauvreté et dans l'amélioration de leur vie. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa a organisé la défense du diplôme d'études approfondies DEA de Joël Ndembe Mbala en gestion financière avec comme sujet évaluation de l'impact de la corruption dans les structures sanitaires en République démocratique du Congo. Popol Ziakwaw et Papi Katassi. Ce travail de plus de 500 pages avait comme thème évaluation de l'impact de la corruption dans les structures sanitaires en RD Congo a eu comme question motivante de savoir dans quelle mesure la corruption influence-t-elle la mise en œuvre des réformes dans les secteurs sanitaires en RD Congo. Après une longue recherche, le récipiendaire Joël Ndembe Mbala a dégagé deux objectifs, à savoir l'évaluation de l'impact de la corruption dans les secteurs sanitaires en RD Congo et l'objectif spécifique qui décrit la perception de la corruption par les prestataires de santé, le patient, leur accompagnant et les différentes formes qu'elle peut revêtir. Identifier les domaines sensibles à la corruption et les stratégies palliatives. Analyser les facteurs déterminant la corruption dans les hôpitaux et enfin formuler des recommandations pour lutter contre la corruption dans les systèmes de santé. Je pense que c'est un problème de la corruption. Nous venons de parler de la corruption qui est un fléau très important qu'il faut éradiquer. Alors, nous avons constaté que dans les formations sanitaires que nous avons fait comme en tête, la corruption existe pratiquement. Donc il y a une très grande évolution au niveau de ces deux formations sanitaires. Donc ce qu'il faut faire est que les dirigeants de ces institutions puissent avoir, mettre en tête, faire en tête que il y a un problème réel qu'on doit éradiquer, faire en sorte que ces mesures-là puissent aider à la population, aider aux institutions de se développer et de s'autofinancer. Après un long moment d'échange avec les membres du jury, le chef des travaux, Joël Ndembe Mbala, a reçu la mention distinction de la défense du diplôme d'études approfondies en gestion financière. À présent, entretenons-nous avec ses compatriotes qui habitent au Canada, plus précisément dans la province de l'Ontario, à Ottawa, compatriote qui fait d'ailleurs l'honneur de la RDC à travers le monde pour cause. Il a participé à la dernière édition, la 21e édition du prix Bernard Grand Maître. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous l'avons en direct ce soir dans ce journal de la chaîne de référence. Il a pour nom Bodi Ngoi Apotitolo. Il est en direct avec nous. Alors bonsoir, bonsoir Bodi. Bonsoir Bodi Ngoi. Bonsoir James Katamboa. Alors Bodi, pouvez-vous vous présenter brièvement aux milliers de téléspectateurs de la chaîne de référence qui vous suivent en cet instant? Qui est exactement Bodi Ngoi Apotitolo? Oui, alors Bodi Ngoi, c'est un Congolais né à Kinshasa, dans le quartier Imo Congo. À l'époque, c'était 20 mai, dans la commune de Kalamu. J'espère que ça existe encore. Et j'ai complété mes études primaires à Kinshasa. Et ensuite, toutes mes études, mes années du secondaire, je les ai complétées à Kolwezi, donc dans la province de Lualaba. D'ailleurs, l'actuel gouverneur de Lualaba, M. Richard Mouyej Manguez Mans, fut mon professeur d'histoire et de civisme. Alors, une fois que j'ai eu mon baccalauréat, en fait, mon diplôme d'État, alors je suis allé donc en France, de France donc au Canada où j'habite en ce moment depuis mars 1992. Oui, Bodi, je viens de le dire d'ailleurs, vous étiez finaliste de la 21e édition du prix Bernard Grand Maître. Dites-nous un mot sur ce prix. C'est quoi exactement le prix Bernard Grand Maître? Oui, eh bien, créé en 1999,
Le prix Bernard Gamètre est la reconnaissance la plus prestigieuse de la communauté francophone d'Ottawa, dont la capitale nationale du Canada, là où je suis. Ce prix porte le nom d'un ancien député et ministre provincial, Bernard Gamètre, qui est encore vivant, donc c'est vraiment une légende vivante. Le prix est décerné annuellement pour souligner les efforts exceptionnels des leaders francophones d'Ottawa. Dans le prix Gamètre, il y a 9 catégories, dont la plus cotée est celle dans laquelle je me retrouvais avec 2 autres finalistes. Et c'est vraiment, ma catégorie était, bon, comme je dis, c'est la plus importante, qui comprend l'ensemble des accomplissements d'un leader ou représentant communautaire ou quelqu'un qui s'implique vraiment dans sa communauté pendant au moins 20 ans de sa vie communautaire francophone. Alors, donc c'est pourquoi elle était vraiment une reconnaissance bien importante cette année pendant le Gala 2021. Alors, la finale était prévue pour le jeudi 18 février, donc il y a 48 heures. Comment ça s'est passé pour vous qui étiez finaliste, Bodi Potitolo? Oui, en effet, la soirée de gala pour proclamer les lauréats de chacune des catégories du prix Bernard Gamètre a eu lieu hier soir. Malheureusement, je n'ai pas gagné, donc nous n'avons pas remporté le prix. Alors, on s'est dit à la prochaine fois. Alors, Bodi Ngoyi, vous êtes également un bédéiste de renom. Hein. D'ailleurs, vous avez publié votre 6e bande dessinée intitulée « Le Canadien » en novembre 2020. Pouvez-vous nous en dire un mot, brièvement? Oui, en effet, « Le Canadien » est une bande dessinée, qui est ma 6e d'ailleurs, donc la toute dernière que j'ai lancée au mois de novembre 2020. C'est une bande dessinée qui relate le voyage d'un père avec sa fille dans 6 grandes villes du Canada. Et ce voyage se fait pendant 6 jours. Alors, les villes que j'ai identifiées dans cette bande dessinée sont d'abord Ottawa, là où j'habite moi-même, Montréal, Halifax, Vancouver, Calgary et Toronto. Alors, donc, pendant ce long voyage entre le père et sa fille, le père raconte l'histoire des Noirs canadiens, bien sûr, à partir de 2 périodes de la traite des Noirs africains. Donc, on ne peut pas parler de l'histoire des Noirs à travers le monde sans justement mentionner l'esclavage que les Africains ont subi pendant, si vous ajoutez, vous prenez la première traite faite par les communautés arabo-musulmanes et le commerce triangulaire, tous les deux, ça fait à peu près 17 siècles, donc à peu près 1700 ans. Alors, c'est vraiment long. Alors, on va encore rester hein, sur cette BD, les Canadiens. Quel lien établissez-vous entre cette BD et votre pays d'origine, la République démocratique du Congo? Oui, j'ai établi plusieurs liens entre la bande dessinée Le Canadien et l'histoire du Congo ou l'actuel RDC aussi, dont les références culturelles. Alors, plusieurs liens, dont les plus importants, je dirais d'abord. Les deux personnages principaux, dont le père et sa fille, portent le nom de Mopao, bon, le grand Mopao, dont le papa, et la fille porte le nom de Moseka, vous savez la belle femme, la belle fille congolaise Moseka Moski. Alors et le père Mopao à la tête de l'héros national Patrice Lumumba, tout simplement parce que c'est un fanatique de Lumumba, donc c'est vraiment le fanatique numéro un de l'euro de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba. Donc il aime tellement qu'il se coiffe comme lui, il laisse sa barbe comme lui, alors donc c'est vraiment un fanatique. Et puis aussi, j'ai mentionné aussi quelques lieux, quelques faits historiques du Congo, tels que bon, le royaume Congo, la reine Zinga, j'ai mentionné aussi les noms de nos soutiens et leaders spirituels tels que Maman Béatrice Kipanvita, Simon Kimbangu le prophète et tant d'autres. Oui, voilà, on est presque au terme de cet entretien. Bodi Ngoyi Potitolo, vous avez quitté le pays il y a presque 30 ans maintenant pour parler un peu le Lingala na RDC Ozamona côté Nini. Exactement. Est-ce que c'est également possible de saluer les Congolais
dans les langues du coin que tu parles jusqu'à aujourd'hui? Bon, comme je l'ai dit tout au début, je me considère toujours comme Mwanaya, deux lieux vraiment principaux au Congo, dont Kinshasa, là où je suis né, et Kolwezi, là où j'ai fait mes études secondaires et j'ai eu mon diplôme d'état. Alors, donc, c'est, oui, avec plaisir d'ailleurs, on a pu s'abîmer en beauté. Dans Lingala d'abord, beauté nabino. En Swahili, Jambo Enu. En Chiluba, Moyo Wenu Banso. En Kikongo, comme le Kikongo est très proche de Lingala, Mbote na Zeno, Mbote na Beno. Alors je pense quand même que je n'ai pas oublié, j'espère que c'est vraiment ça. Peut-être que l'accent n'est pas tout à fait correct, mais je pense que ça devrait passer. Alors c'était un plaisir pour moi, effectivement, d'avoir ce moment. Je remercie James et ton équipe. C'est extraordinaire ce que vous avez fait aujourd'hui et très apprécié. Allez, merci beaucoup, Bodi Ngoi Potitolo, pour ta disponibilité. Congratulations, hein, comme on dit en anglais, pour cette finale à laquelle vous avez pris part, la finale de la 20e édition des Grands Prix Bernard Grand Maître. En tout cas, bonne chance et des bonnes choses à toi pour la suite là-bas en Ontario, à Ottawa précisément. Merci. À la prochaine. Un deuxième entretien dans ce journal, celui-là très tout petit peu au sport loisir, hein, quand nous avons parlé du plus vieux club de football loisir de la RDC. Il s'agit de l'Amica Alfoura, ce club qui totalisera demain 40 ans d'existence. Il faut le faire. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir, il est déjà en direct avec nous, le vice-président de l'Amica Alfoura, ce club de football loisir. Il a pour nom Doudou Malé Kani, il est en ligne, je l'ai dit. Bonsoir, monsieur le vice-président Doudou Malé Kani. Et allô, bonjour, James. Alors, monsieur le vice-président, il y en a qui découvrent peut-être pour la toute première fois cette organisation, ce club de football loisir dénommé Amica Alfoura, qui totalisera demain, je l'ai dit, 40 ans. Alors, présentez-nous brièvement l'Amica Alfoura. Oui. Ah, ok. Bon, au départ, c'était un clic d'amis, un clic d'étudiants ressortissants de Lubumbashi au Katanga. Ces amis voyaient qu'à chaque fois ils se retrouvaient ça et là sans objectif. Et puis à chaque fois qu'il y avait besoin de voir l'autre, il fallait passer par quelqu'un d'autre à l'époque où il n'y avait pas la communication comme aujourd'hui. C'est comme ça, ils se sont donné l'idée de créer cette amicale. Au départ, vraiment, l'activité principale n'était pas le football ou le sport, comme nous le disons. Ils ont fait cette histoire autour de quelque chose qui réunissait. Et ce quelque chose-là, c'était les foufous, les boukari, comme on l'appelle chez nous au Katanga. Et ça jaillit. Aujourd'hui, c'était chez lui. Demain, ça sera chez l'autre. Et c'est comme ça, tous les week-ends ou tous les dimanches, ils se retrouvaient pour manger et échanger autour du boukari. Et c'était parti comme ça. C'était parti comme ça, en se réunissant. Ils ont trouvé qu'il fallait qu'on soude vraiment notre amitié, fraternité, et voilà, comme tout jeune garçon ou tout homme aimant le football, c'est comme ça, il commençait à se réunir autour aussi d'un ballon, jouer au foot, et puis après, aller se retrouver, manger les boukari, et puis échanger. Adoudou Malekani, 40 ans, il faut le faire, 40 ans d'existence d'Amica Alfoura. Dites-nous un tout petit peu, quels sont les grands moments, les grands événements qui ont marqué, qui ont jalonné, il faut le dire, ces parcours de 40 ans. Bon, parler de 40 ans,
comme vous m'aviez demandé, c'est dans un laps de temps, je ne saurais pas tout vous résumer, mais nous allons essayer de frôler par quelques lignes ce qui constitue notre 40 ans. Comme vous le savez, nous sommes une amicale sportive créée depuis 1981. Cette année, c'est l'année qui totalise nos 40 ans d'âge. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'amicale aujourd'hui. Alors, monsieur le vice-président Doudou Malekani, j'ai envie de connaître votre secret. Quel est votre secret? Quel est le secret de cette longévité? Car il faut l'avouer, pour un club de football loisir, 40 ans, c'est vraiment un record. Quel est votre secret? Le secret de notre longévité. Notre longévité est due d'abord à l'état d'esprit des membres qui animent l'amicale Foura. Si vous venez chez nous, vous verrez des générations en générations, les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Donc l'amicale Foura a un état d'esprit fraternel. C'est ce qui fait que aujourd'hui, nous vivons ensemble sans aucun problème. Vous savez, si vous avez la tolérance, comme l'a dit l'une des devises de notre amicale, vous ne voyez pas l'esprit qui cache l'autre derrière. Donc, vous ne voyez que du bien en lui. Nous nous tolérons, quoi qu'il y a, le mal ne manque pas, mais nous savons accepter et tolérer l'autre. C'est ce qui fait que nous sommes restés soudés et nous perpétuons ces idées à nos jeunes qui viennent aujourd'hui. Hier, c'était les vieux qui sont passés, aujourd'hui, qui sont dans la commission des sages, qui nous donnent, nous qui sommes aux affaires, conseils, et nous aussi, à notre tour, nous les ferons aux jeunes qui nous suivent. Donc, cette idée-là de la tolérance et de la fraternité va perpétuer, comme le dit nos devises de l'amicale, qui sont la tolérance et la solidarité. Donc, nous sommes vraiment unis et solidaires. Il suffit d'être avec nous pendant un moment. Vous verrez comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous évoluons. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de ce 40e anniversaire de l'amicale Foura? Il y a une organisation particulière qui a été mise en place pour célébrer ça? Bien, merci beaucoup, cher James. Qu'est-ce que nous avons prévu pour les 40 ans? En tout cas, nous avons prévu beaucoup d'événements. Nous avons commencé hier par rendre grâce au Tout-Puissant qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous donne les souffles de vie. Hier, nous avions célébré une messe d'action de grâce pour nos 40 ans et les événements continuent. Demain, nous avons projeté un match à l'occasion avec notre amicale sœur qui est Ewa Bora. Sur ce, nous vous invitons aussi, cher James, si vous avez le temps de passer aux activités au terrain et après, parce que après nous avions prévu que nos vieux parlent, nous parlent de l'amicale, que nos vieux parlent comment est-ce que l'amicale était née, comment est-ce que ils ont fait pour que nous arrivions aujourd'hui. C'est demain que nous allons tous comprendre que comment a commencé et où est-ce que nous allons avec cette amicale. Et nous ne finissons pas demain. Après, nous aurons à commémorer effectivement nos 40 ans par une grande fête. Ce qui nous empêche aujourd'hui, vous êtes sans l'ignorer, cette maladie qui ne permet pas aux gens de vivre normalement, d'être ensemble comme nous le souhaitons, nous de l'amicale Foura, de vivre en fraternité. Donc nous attendons à ce que cette vilaine maladie va nous laisser un peu de temps. Nous aurons à organiser une grande fête
et les dates sera, nous sera communiquées. Allez, voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-président de l'Amicale Foura, Doudou Malekani. Merci pour votre disponibilité. Et une fois de plus, un bon anniversaire à votre organisation, l'Amicale Foura. Merci beaucoup, James. C'est nous qui vous remercions. Vous avez usé de votre temps de venir vers nous, de nous donner l'occasion sur votre petit écran de parler de l'Amicale. Comme je vous ai dit auparavant, je ne pouvais pas parler de toute l'Amicale. C'est vraiment grand, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements. Il m'est vraiment difficile dans un laps de temps de parler de tout ça. Mais vous, en tant que professionnel, vous savez ce que vous allez faire pour que l'Amicale soit connue et entendue de tous. Nous vous remercions sincèrement, mon cher James Katamboa. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. C'est par ici que se referme ce journal, mais avant de nous séparer, prenons le rappel des titres. L'évaluation des différents services étatiques de sa province et l'exercice que s'est donné Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de l'Ituri, en réunissant les différents chefs de service pour la bonne marche de la province de l'Ituri. Bodi Potitolo, bédéiste congolais résident au Canada, finaliste du prix Bernard Grand Maître, et Doudou Malekani, vice-président de l'Amicale Foura, club de football loisirs, sont les deux invités de notre journal. Fin de cette session d'information qui a été réalisée par Léonard Mouimeri, qui avait à ce côté Papi Katassi comme chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Gardez vos fauteuils car les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Restez-nous donc fidèles.